Ça y est, l'été arrive et comme chaque année, tout le monde parle du summer body. Sauf que depuis quelques temps, ça n'est plus vraiment en bien. En effet, le body positif qui prend de plus en plus d'ampleur nous encourage à rester comme on est. Alors qu'avant, plein de gens voulaient le summer body, maintenant tout le monde le critique. Mais ne peut-on pas être body positive et vouloir le summer body? Et si oui, comment faire? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout à l'heure, j'ai tapé sur Google Summer Body et la plupart des articles en première page ne me disaient pas comment l'obtenir, mais plutôt comment y résister. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'en parle. On est passé de comment perdre 10 kilos avant l'été à comment s'accepter, et tout ça grâce ou à cause du body positive, suivant comment est-ce qu'on le perçoit. Donc, comment cela se fait-il qu'on soit passé d'un extrême à l'autre? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans un premier temps avant de voir ce qu'il est possible de faire maintenant pour que tu te sentes mieux dans ton corps cet été. Déjà, comment cela se fait-il que du jour au lendemain, le discours des médias vis-à-vis du summer body est complètement changé? Je pense que pendant des années, on a vu tellement de femmes très minces, que ce soit dans les magazines, à la télé ou je ne sais où, qu'il y a eu un espèce de ras-le-bol général. Déjà parce que les femmes ont compris qu'être mince est assez difficile de manière générale, mais aussi parce que la majorité de celles qui ont essayé de le devenir n'y sont pas arrivées. Mais quand on n'a pas conscience qu'on n'avait juste pas la bonne méthode, on va penser que c'est nous le problème. Puis on va finir par désespérer et abandonner l'idée de maigrir. Moi-même, lorsque j'étais adolescente et que j'avais 10 kilos de plus, j'ai essayé plusieurs régimes sans résultat. Ce qui m'a conduit à penser que si j'étais en surpoids, c'était uniquement à cause de ma génétique et que donc je n'y pouvais rien. À ce moment, je n'en avais pas encore conscience, mais ce n'était pas moi le problème. C'était les méthodes que j'utilisais et qui sont pourtant très très classiques. Comme supprimer le sucre, manger peu le soir, ne pas aller au restaurant, manger énormément de légumes, etc. etc. Ce qui en soi n'est pas contradictoire avec le fait de perdre du poids rapidement pour avoir le summer body. Bien au contraire, puisque si on suit tous ces conseils, il y a de très grandes chances que l'on maigrisse. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, est-ce qu'on va réussir à respecter ces règles assez longtemps pour atteindre notre objectif? Et puis, si on a réussi à l'atteindre, est-ce qu'on va réussir à le conserver? Et très souvent, la réponse est négative. Non pas parce qu'on manque de volonté, mais tout simplement parce que les conseils classiques qu'on nous donne pour avoir le summer body ne sont pas tenables sur le long terme pour quelqu'un qui a une vie classique. Franchement, est-ce que toute ta vie, tu te vois refuser des restaurants, ne pas manger de dessert, ne plus manger tous les aliments que tu aimes? Personnellement, non. Et malheureusement, à partir du moment où tu reprends tes habitudes alimentaires, tu reprends le poids perdu. Mais si on continue de voir ce genre de conseils, c'est parce que ça reste malgré tout une méthode rapide pour perdre du poids. Et c'est ce que veulent les gens, puisque l'humain est de nature impatient. Si demain on me laisse le choix entre une méthode rapide pour maigrir et une qui prend plusieurs mois, mon choix est vite fait. Donc finalement, les influenceurs, les magazines et les médias ne font que respecter la demande des consommateurs dans le but de vendre plus. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables, puisqu'ils profitent de la méconnaissance des gens pour entretenir l'idée qu'il est possible de perdre du poids rapidement. Je dis simplement qu'ils respectent le besoin des consommateurs pour faire le plus de bénéfices possible. Et malheureusement, il y a des personnes qui ont testé tellement de méthodes, excusez-moi, mais à la con, qu'elles ont fini par croire qu'il était impossible pour elles de perdre du poids. Et encore une fois, c'est moi-même ce que j'ai cru lorsque j'étais adolescente. Certes, certaines personnes ont plus de facilité que d'autres à perdre du poids, mais tout le monde peut maigrir. Je dis pas que tout le monde peut être mince et en bonne santé. Je dis simplement que tout le monde peut maigrir puisqu'aucun corps n'est résistant à la perte de graisse au point où il n'est plus possible d'en perdre. Si demain tu n'apportes plus aucune calorie à ton corps, et ce pendant longtemps, tu vas indéniablement maigrir. Attention, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais quand même, il faut avouer que l'on voit de moins en moins de conseils bidons puisque les gens ont fini par comprendre qu'ils ne fonctionnaient pas. Donc si beaucoup de marques ont changé de discours et prône beaucoup plus l'acceptation de soi, c'est juste pour vous caresser dans le sens du poil. Certes, il y en a qui sont plus honnêtes que d'autres, mais n'oubliez pas que le but premier d'une entreprise est de faire de l'argent.
En soi, c'est une bonne chose de voir qu'il n'y a plus que les femmes minces qui sont mises en avant. Mais quand les marques se servent de femmes en obésité morbide pour soi-disant nous aider à nous accepter alors qu'elles le font avant tout dans le but de se faire bien voir, personnellement, je trouve ça très limite. La preuve avec Femme Actuelle qui nous fait un discours sur le body positive et qui, sur d'autres articles, nous dit comment perdre 3 kilos en une semaine. T'as pas l'impression qu'il y a une petite contradiction? Surtout que je n'ai pas l'impression que prôner l'acceptation de soi à tout prix ait réglé le problème. La preuve, aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de monde dans les salles de sport. Certes, beaucoup de personnes n'y vont pas uniquement dans le but de changer leur physique, mais quand on regarde les études, on se rend compte que la très grande majorité des gens y vont en partie pour modifier leur corps. Sans parler du fait qu'il y a de plus en plus de chirurgie esthétique, enfin bref, on voit bien que plus les années passent et plus les gens se focalisent sur leur physique. Maintenant, la question est, peut-on être body positive et en même temps vouloir modifier son corps? Eh bien, tout dépend de la vision qu'on a du body positive. Si pour toi c'est de s'accepter à 100%, techniquement tu ne devrais avoir aucune envie de changer. Donc tu ne peux pas être à la fois body positive et vouloir changer ton aspect physique puisque ce sont deux choses contradictoires. Par contre, si pour toi ce concept consiste avant tout à mettre un peu plus en avant des femmes avec des rondeurs, tu peux tout à fait être body positive et modifier ton corps. C'est vrai que voir beaucoup de morphologies différentes incite beaucoup de femmes rondes à s'accepter davantage et à relativiser. Et puis de toute façon, si on a un objectif physique, le fait de détester son corps ne nous fera pas nécessairement l'atteindre plus vite puisque dans tous les cas, ça prendra du temps. Et ça peut même être le contraire. D'autant plus qu'une personne qui déteste son corps a de plus grandes chances de ne jamais être satisfaite. Mais de toute façon, je pense sincèrement que personne ne peut être à 100% satisfait de son corps et c'est pour ça qu'il est très important quand on a un objectif physique qu'il ne prennent pas trop de place dans notre vie. Donc finalement, je pense que le mieux est de faire un juste milieu entre l'acceptation de soi et le fait de vouloir modifier son corps. C'est très important de se concentrer aussi sur d'autres choses. Maintenant, la question est, peut-on réellement modifier son corps avant l'été? Est-ce que c'est pas trop tard? Et si oui, comment faire? Oui, tu peux. Et je ne suis pas du tout anti-summer body parce que je comprends totalement que certaines personnes aient envie d'être un peu plus dessinées sur la plage. Si ton but est de perdre 2-3 kilos avant l'été, aucun problème. Si tu veux en perdre 10, ça risque d'être un petit peu plus problématique. Donc maintenant, je vais te donner quelques petits conseils que tu peux appliquer facilement et durablement surtout. Prends du zéro. Non, boire des boissons zéro ne provoquera pas un pic d'insuline qui va te faire stocker de la graisse. J'en suis la preuve vivante puisque j'en bois 1 litre par jour. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire attention. C'est satisfaisant, il n'y a aucune calorie, donc tu peux y aller. Pareil pour les chewing-gums sans sucre. Fixe-toi un objectif de pas. Tu n'as pas idée à quel point on dépense plus de calories lors d'une journée où l'on marche beaucoup plutôt qu'une journée où l'on ne bouge pas. Ce que je te conseille de faire, c'est de regarder combien tu fais de pas actuellement en moyenne et de fixer un objectif en fonction de ça. Tu peux augmenter à peu près de 2000 à 5000 pas par jour environ. Analyse ta faim. Lorsqu'on essaye de perdre du gras, généralement on va avoir plus faim puisque le corps va aller puiser dans ses réserves. Attention parce que ça ne veut pas forcément dire que si l'on n'a pas faim, on ne va pas maigrir. Par contre, si tu as trop faim, c'est que tu ne manges pas assez. Et si tu manges trop peu, tu vas obligatoirement craquer à un moment donné. Donc c'est pas la bonne chose à faire. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé pendant ma sèche quand j'avais faim et de me rappeler que j'avais des réserves et que donc je n'allais pas mourir de faim. Parce que ce qui nous pousse à manger lorsqu'on a faim est notre instinct de survie. Après, il y a des gens qui supportent mieux la faim que d'autres, certes, mais le tout est de savoir l'analyser et la gérer. Ne supprime pas le sucre. On a tous des envies de sucre, certains plus que d'autres, mais tout le monde ou quasiment aime le sucre puisqu'il libère instantanément une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est une hormone du plaisir. Il est donc tout à fait normal d'être attiré par lui. Et bannir le sucre ne fait qu'augmenter l'envie d'en consommer puisque tout ce qui est interdit nous attire, c'est bien connu. Ce qu'il faut faire, c'est en consommer un peu, mais de manière modérée car les aliments sucrés sont assez caloriques. Et de toute façon, le sucre, il y en a partout autour de nous, donc on ne pourra jamais totalement l'éviter. Ne supprime pas les aliments transformés et gras. Tout comme le sucre, les aliments transformés nous apportent énormément de plaisir car les marques trouvent toujours la recette parfaite pour nous rendre accro à leurs produits. En effet, la plupart tiennent l'équilibre parfait entre la graisse, le sucre et le sel. Donc encore une fois, les supprimer ne fera qu'augmenter notre envie d'en consommer. Tout est une question de dosage. Mange au restaurant
Oui, manger à l'extérieur fait partie des choses normales d'une vie et je pense que se couper de toute vie sociale dans le but d'atteindre un objectif physique est une très mauvaise idée. Si on veut un certain corps, c'est dans le but d'être plus heureux. Mais est-ce qu'on sera plus heureux si l'on respecte un soir sa diète plutôt que si l'on passe un moment agréable avec des gens? Surtout que je rappelle que pour perdre du poids, le secret est d'adopter des méthodes que l'on pourra conserver toute sa vie. Est-ce que tu te vois ne plus jamais faire de restaurant? Donc il faut que tu adoptes les bonnes habitudes dès maintenant. Je ne parle pas de manger au restaurant tous les jours, mais une fois de temps en temps, je pense sincèrement que c'est très important. Par contre, je te conseille de faire des choix stratégiques, c'est-à-dire d'éviter les boissons sucrées et surtout l'alcool parce qu'il est très calorique et catabolisant. Éviter les menus avec entrée, plat et dessert, choisir la pizza reine plutôt que la 4 fromages, manger 2 boules de chocolat plutôt qu'une gaufre avec chantilly, glace et chocolat, enfin bref, t'as compris l'idée. Essaye simplement d'être raisonnable et ça sera très bien. Je pourrais continuer de te donner plein de conseils, mais ça va devenir beaucoup trop long, donc je vais m'arrêter et je te dis à très très vite. Ciao !